I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Medieval Dynasty, un jeu disponible sur Steam au prix de 30€ qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, mais qui est sorti en version 1.0 le 23 septembre 2021. Donc c'est quand même assez récent, sachant que le jeu continue de recevoir des mises à jour régulières depuis. Le jeu a donc bien évolué depuis sa sortie et pour ma part je n'y avais jamais joué, donc ça va être l'occasion de tester le jeu dans les meilleures conditions possibles et pourquoi pas se lancer dans un let's play dessus étant donné que je pense qu'au vu du contenu, on a de quoi faire pas mal de choses pour le coup, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, Medieval Dynasty en quelques mots, survie, RPG, médiéval, bac à sable, monde ouvert, musique incroyable, vous les entendez je pense en fond déjà, graphisme incroyable également, c'est franchement très beau, et pour parler un petit peu plus clairement, vous allez commencer de rien, vous allez devoir essayer de survivre en tant que personne que vous êtes, hein, du coup, c'est un jeu à la première personne, vous allez voir. Mais la particularité, c'est que vous allez faire votre petite habitation, vous allez vous développer, et puis à terme, vous allez carrément diriger votre propre village, avoir la population justement qui va vous rejoindre, et que vous allez pouvoir gérer et automatiser aussi au niveau de certaines tâches, pour que justement ils vous fabriquent des choses, ils vous ramènent des choses ou quoi. Je sais pas exactement toutes les possibilités pour ma part parce que je n'y ai pas encore joué, donc j'ai quelques infos mais j'ai pas voulu vraiment me spoil non plus. Du coup ça va être de la découverte avec vous de toute manière aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de contenu, de possibilités et qui est très bien fait pour le coup. Donc j'ai envie de dire n'attendons pas plus longtemps et allons-y. Allez, la partie débute et on est directement... Ah, c'est magnifique. On est directement en plein milieu de nulle part, j'ai envie de dire, regardez. On n'est pas très loin d'une ville cependant et on voit un petit objectif de quête. Il s'agit de Ghostovia. Du coup, on va y aller puisque ça va être la quête de départ qui va nous apprendre un petit peu les mécanismes du jeu et comment bien débuter dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer vers cette ville-là et je vais récupérer quelques ressources sur la route. Et encore une fois, les musiques de ce jeu. Alors, je suis pas fan en plus d'habitude de tout ce qui est musique dans les jeux. J'aime pas trop les mettre souvent parce que, en fait, ça me prend la tête assez rapidement. Et là, j'avoue que celles-là, elles sont vraiment très belles et franchement, c'est pas trop quoi. Vous allez avoir une belle petite musique, il va y avoir un petit moment de pause, il va y avoir une autre musique vraiment différente mais qui colle encore bien au style du jeu et vraiment stylé. Franchement, c'est plaisant. C'est un jeu qui me paraît relativement chill à ce niveau-là. Donc, on va essayer de récupérer un max de ressources sur la route. Encore une fois, je débute sur le jeu, hein, donc je vais très certainement commettre des erreurs. Voilà, si des gens connaissent très bien le jeu et tout ça, bah, n'hésitez pas à m'aiguiller, bien évidemment, sans me spoil non plus la suite du contenu. Mais voilà, si vous avez des petites astuces et tout, que bien sûr, je ne trouverai pas par moi-même, à moins d'avoir vraiment beaucoup d'expérience sur le jeu, n'hésitez pas, si ça peut aider un petit peu le gameplay. Aide est bonne à prendre, bien évidemment. Alors, on va avancer un petit peu. Le seul truc que je me suis spoil, de toute façon, je vous le dis, hein, clairement, il n'y a pas de secret, les amis. Le seul truc que je me suis spoil, c'est que j'ai cherché un spot intéressant où mettre sa base.
Voilà. Et moi, j'ai fait une petite partie test qui n'a pas été très loin. J'ai été jusqu'au début de la construction de ma première maison. Et vous allez voir que ça arrive très très vite. Donc en soi, j'ai vraiment pas fait grand chose. Et ouais, au niveau du spot, c'est juste que, bah justement, on nous demande de faire la maison assez rapidement. Et du coup, je me suis dit, bah faire la maison, ça va être le début du village. Donc autant le faire en emplacement intéressant dès le début. Et ne connaissant pas le jeu, je sais pas trop où sont situées les ressources intéressantes. Je sais pas trop où est-ce qu'on est censé se mettre et tout. Donc j'ai regardé et il y a plusieurs spots qui sont proposés. Notamment là à côté, j'avoue que j'ai hésité avec celui-ci. Il y a un spot à côté de ce lac-là. Donc ça a l'air sympa avec le petit ruisseau qui coule à côté et tout. Ça peut être sympa. Mais je me dis que s'il y a beaucoup de quêtes à faire dans les villes, on est quand même un peu loin de certaines. Et du coup, il y a un spot qui était noté ici. Donc c'est pas très loin de où on est, vous voyez, donc je me dis qu'il y a quand même la proximité. Et franchement, le spot était bien noté, et pareil, on a toutes les villes autour, donc je pense que c'est là où on va aller s'installer. Voilà. Donc ceci étant dit, on va aller visiter un petit peu la ville. Dites-vous, même sur ma partie test, j'ai vraiment été droit au but, j'ai même pas vraiment visité justement. Je voulais vraiment être en totale découverte. Donc voyons voir, on peut parler aux gens. It's nice to meet you. Le jeu est en français en plus, ça c'est très bien aussi. Ravi de vous rencontrer. Avez-vous déjà entendu quelque chose d'intéressant récemment? J'aimerais bien, on s'ennuie vraiment ces derniers temps. Ok. Have a good day. Ok, donc vous voyez qu'il y a pas mal d'interactions possibles. Lui, il a l'air de vendre Hello, des choses. Traveler. Ok, montrez-moi vos marchandises. Donc nous, on a 50 pièces d'argent au début. Voici notre petit inventaire, d'accord. Le bâton que j'ai récupéré et quelques petits trucs. On peut lui acheter du fumier, de la nourriture pour animaux, des seaux et tout ça. Ok, très bien. Bon, c'est cool. Déjà, il y a un petit marchand ici. Goodbye. On a quoi là-dedans? Voyons voir. Petit taureau de... Attendez, il y avait une interaction. Ah ouais, on peut l'acheter. On peut acheter le taureau et tout. On peut tout acheter. Ah, mais c'est incroyable. Les vaches, les veaux. Ok. Ok, ok, c'est très cool. C'est très cool. On a des oies ici. On peut les acheter aussi. Ah, mais waouh. C'est trop bien, en fait. Et vraiment, tout ce qu'on voit, en fait, dans le jeu, on peut interagir avec, j'ai l'impression, quoi. Sac dévalisé. Ah, c'est écrit en rouge, à mon avis. Là, c'est... Je vole le truc, en fait. Déjà, dès le début. Ok. On va peut-être éviter, sachant que oui, le jeu s'appelle un peu Medieval Dynasty. On va devoir créer une dynastie, d'accord? Donc j'imagine que notre personnage... Alors je sais que justement on peut avoir une femme, des enfants, tout ça. It's nice to meet you. Donc j'imagine que justement on va évoluer au fil des générations et pas forcément conserver notre personnage. Et je sais qu'il y a un système de réputation aussi, donc peut-être à faire attention. Romantisme, conversation. Ok, bah justement on peut la draguer quoi en gros. Montrez-moi vos marchandises. I've got it. Ok, des baies, choux, farine. Ah, il y a plein de marchandises ici. Bah du coup, elle fait tout ce qui est nourriture, a priori. Ok, c'est vraiment stylé. See you soon. En fait, j'ai tellement hâte de commencer mon village et de justement de commencer à voir réellement les possibilités du jeu. Mais juste, on prend deux petites minutes pour profiter. Juste écouter ces sons d'ambiance. On entend les oiseaux. Il y a les sons un petit peu autour, justement, de partout où on passe. Les gens... On voit qu'il y a des interactions sociales, genre vraiment ils discutent, ils se baladent, ils font des choses, ils travaillent, vous voyez, il y a quand même des trucs quoi. Regardez, l'autre en train de manger sa pomme et tout, c'est bête hein, ça paraît anodin comme ça, mais le jeu est très beau, il y a de la vie, il y a vraiment des sons un petit peu partout, donc ça donne encore plus de vie. Ah, là aussi on peut acheter les oies, ok. Et ouais non, il y a rien à dire quoi à ce niveau-là, et encore une fois avec des petites musiques en plus hein, qui passent derrière, c'est juste incroyable quoi. C'est juste trop trop bien. Oh, regardez les enfants, ils font quoi? Ils jouent ensemble ou quoi? C'est top. C'est vraiment top. Ok. Tiens, il y a des trucs sur la table, je peux le prendre ça ou pas? Ah ouais, non mais je vous dis, on peut vraiment interagir avec tout, c'est incroyable. Voler, on va éviter, hein, on va pas faire le fou au début. Donc moi je dois parler à... D'ailleurs c'est à qui? C'est à lui là-bas. Enfin, c'est marrant, sur la partie test, il était ici, celui à qui je devais parler. Donc en fait... Ça veut dire qu'ils doivent se déplacer au fil de la journée pour aller près du feu, pour aller manger dans la taverne ou faire ce genre de choses. Ça, c'est cool. Donc, c'est lui, ok. Le mec qui va me servir pour ma quête. Donc, allons-y. Ses yeux, je ne pensais pas les revoir. Un aussi bleu que le ciel et l'autre aussi noir qu'un morceau de charbon. Vous allez bien, on dirait que vous avez vu un fantôme. Vous n'êtes donc pas, tant mieux. J'ai cru avoir perdu la tête un instant, mais vos yeux, vous lui ressemblez tellement. Pardon, vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je viens d'arriver dans la région, tout ça... Le fils de Wanda, n'est-ce pas? Le neveu de Jordan. Effectivement, c'est nous. Quoi? Est-ce que vous connaissiez ma mère? Pas vraiment, je la connaissais de nom. Nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés. Il voulait garder ses familles séparées. Je ne pense pas avoir compris. Ça viendra, attendez. Pourquoi avez-vous demandé si je la connaissais? Elle va bien?
J'espère où qu'elle soit, j'ai perdu mes parents durant la guerre. Ok, bon sang, ce monde, tout ça. Je suis désolé mon garçon. Bien évidemment, le discours habituel. Donc ça va aller, ils sont morts pour que je puisse survivre. Ouah, c'est bizarre de dire ça quand même. Oui, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça. Bah ouais, plutôt. Bien sûr mon garçon, bien sûr je m'excuse. Vous m'avez mentionné mon oncle Jordan. Je suis en fait venu ici pour le trouver. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au tout début hein, dans l'intro de la vidéo. Je vous aurais mis de toute manière la petite cinématique. Oh, Rassimir, désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Votre oncle nous a quittés. Il s'est éteint il y a 3 ans. Je suis désolé. Je sais ce que vous devez ressentir. C'était un de mes amis proches. Alors voilà, il ne reste plus que moi. Ne dites pas ça, le mec n'a pas envie de savoir ce qui lui est arrivé, vous savez, juste envie de passer au gameplay là. J'ai envie de commencer ma quête moi. Ne dites pas ça, regardez-moi, tout le monde a le cœur sur la main dans cette vallée et vous aidera en cas de besoin, moi y compris. Que devrais-je faire à présent? Vous êtes libre d'aller où bon vous semble et de commencer une nouvelle vie. Je vous octroie par la présente la permission du castellan de construire et de cultiver n'importe quelle terre inutilisée dans la vallée. C'est très gentil, merci beaucoup. Construisez-vous une maison et voyez où cela vous mène. Vous pouvez même construire un village entier si ça vous chante. Il y a tellement de voyageurs qui passent par ici, peut-être que certains d'entre eux voudront rejoindre votre colonie. Juste comme ça, je peux avoir les terres gratuitement. Eh bien, vous devrez payer des taxes annuelles au roi. Ah ça c'est intéressant, heureusement que je lis quand même. Mais à part cela, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, enfin, tant que vous n'enfreignez pas la loi. Oh non, j'allais rien voler, hein, pas de soucis. Ou tout du moins, tant que vous ne... tant que vous ne vous faites pas prendre, ok. Ça me paraît génial, la vallée est magnifique. Allez, let's go. Content de l'entendre, vous trouverez des ressources un peu partout, ramassez des pierres et des bâtons, puis fabriquez-vous une hache simple grâce à elle pour abattre des arbres et tout ça. Bon, ça c'est le truc basique hein, qui nous explique. Voilà. Bon, une fois que j'aurai construit ma maison, du coup, je reviens et je vais aller parler à sa femme. Très bien. C'est celle qui tient du coup la taverne. Et prenez-nous des bières avant de revenir, je vous raconterai des choses, ok. Ça marche, allez. C'est assez sympa qu'il y ait des petits... qu'il y ait des petits trucs comme ça. Bon, collecter des ressources, ça, on va s'en sortir, les amis. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Hop. Vous voyez, on a des informations, c'est bien fichu, on est bien guidé. Ah, mais les baies, remarque. Je peux les collecter ou pas? Baies non mûres. Ouais, ce que j'allais dire, elles ont pas l'air d'avoir fiermine, donc il y a vraiment... Les baies, elles vont mûrir avec le temps et tout, trop bien. Ok, donc là il me demande dans un premier temps de ramasser des ressources, logiquement, mais en fait je les ai déjà ramassées sur la route. Donc on peut directement passer au craft. Artisanat, on va faire du coup la hache en pierre. Voilà. On va faire ça. Et avec la hache, hop, on va directement bah, couper du bois. Sauf que, en fait on va me demander de m'installer juste derrière. Et... Le problème, c'est qu'en coupant du bois, je risque de rapidement être assez lourd. Donc moi, ce que je vous propose, on va ramasser au pire quelques ressources là, et je vais aller couper du bois directement à l'emplacement où je compte faire mon petit village. On va aller là-bas. Juste pour la paille qu'il faut ramasser, en fait, c'est les roseaux ici qu'on peut récupérer. Hop, regardez. Et c'est ce qui va servir notamment pour faire le toit de notre petite maison. Donc on va essayer de récupérer tout ce qu'il demande. Normalement, je crois que j'en ai quand même vers l'emplacement où je veux aller, mais bon. Au cas où, on va quand même en prendre un petit peu. Même suffisamment. Au niveau des jauges en bas à gauche, j'en ai pas parlé mais c'est assez basique hein. Vous avez la jauge de stamina, puis de faim dans l'ordre hein. Donc la, vert, la verte, la rouge. Et ensuite vous avez la faim et la soif. Oula, j'ai bu oui mais de toute façon on peut boire directement, donc c'est pas gênant. C'est l'avantage. J'ai bu sans le vouloir. Au moins ça c'est fait. Ok, on a passé à un niveau en survie. J'ai pas encore très regardé voilà, les compétences. Donc voyons voir, connaissance en extraction. Il y a des niveaux, des paliers, niveau suivant, 5% d'expérience supplémentaire acquise lors des activités d'extraction. Perte de durabilité des haches réduite de 5%. Bon, je vois un peu le délire, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en vrai. Hein. Donc là, j'ai en survie des points. Ok, donc j'ai un point à dépenser. Ok, donc connaissance en survie. En vrai, il vaut mieux augmenter, je pense, ce truc-là qui me permet de gagner plus d'expérience en survie. Comme ça, on snowball. Et après, du coup, ça servira pour quoi? Résistance à l'empoisonnement augmentée, machin, machin. Ouais, franchement, je pense que je vais augmenter directement le niveau dans les connaissances en survie. Ce qui va me permettre de, justement, de prendre l'expérience encore plus rapidement. Après, ici, tant que j'y suis, on a le journal, donc pour les quêtes. On a la carte ici.
D'ailleurs, pour les quêtes, ok, il y a un petit classement. Inventaire, on l'a vu. Compétences, ok. Gestion, bah ça va être justement pour le village. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets aussi. On va voir une fois qu'on y sera comment ça fonctionne. Technologie. Technologie de survie, agricole. Comment c'est les technologies? Il me faut un bâtiment, j'imagine, pour faire des recherches. Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses, encore une fois. Pavillon de chasse. Et puis en pierre, arc. Alors c'est ça, parce qu'en fait, on va pouvoir faire des crafts sur nous, mais on va pouvoir faire des crafts aussi aux différents ateliers, aux différentes zones, en fait, aux différents bâtiments, hein, selon ce que c'est. Donc là, apparemment, pavillon de chasse, on va pouvoir faire justement tout ce qui est arc et flèches et tout ça amélioré. J'imagine qu'il va y avoir un forgeron aussi avec des trucs améliorés, etc. etc. Donc ça, c'est assez cool. Il y a plein de trucs personnalisés. Et au niveau des connaissances, c'est quoi? Ah bah les connaissances, c'est un genre de petit wiki intégré au jeu qui nous donne des informations, vous voyez. Bon, c'est assez complet. On va pas trop s'attarder là-dessus. Allez, bah du coup les amis, on va aller... alors on peut mettre un marqueur comme ça. Voilà, on va aller vers le spot que je vous dis, je pense aller construire. Et on va commencer à construire notre première maison là-bas. Bon, on se rapproche doucement, mais franchement, il n'y a pas à dire. Quand on voit une ville de loin, ou même quand on voit le paysage de loin comme ça et tout, franchement, je trouve ça tellement beau. Franchement, c'est trop stylé. J'aurais dû même prendre le temps de me mettre un petit peu en hauteur du village où on était, parce que le village était très stylé à l'intérieur, mais c'est vrai que quand on est de loin, ça fait vraiment paysage de carte postale aussi, c'est vraiment très classe. Allez, on n'est plus très loin normalement, de toute manière. On va pas tarder à arriver. Et du coup, dès qu'on arrive, première chose à faire, que je peux même commencer à faire là, ça va être couper du bois. Alors, je fais attention de voir s'il y a des animaux sauvages ou pas. Parce que je vais pouvoir me faire attaquer aussi. Ah, je sais pas trop, la zone, je pense pas qu'elle soit très dangereuse, mais au cas où. On va quand même checker. C'est pareil, c'est vrai que j'ai pas encore trop farmé. Alors je dis ça parce que je vois des trucs ici. Mais il doit y avoir des plantes spécifiques à ramasser aussi. Et selon les plantes qu'on ramasse, je sais qu'il y a des plantes qui, par exemple, vont nous soigner. Il y a des plantes qui vont faire, je sais pas, un truc contre le poison, ce genre de choses. Alors, c'est pas aussi hardcore que dans un Grinnell, par exemple. Ce sera pas à vous de comprendre ce que ça fait. En fait, par exemple, je passe ma souris là-dessus. Bon, voilà. Ça, par exemple, il me dit, c'est un type de champignon cueilli dans la forêt au printemps. Peut être consommé ou cuisiné en divers plats. Donc, on a les informations. Si on veut aller plus vite, on ne lit que la partie un petit peu en gras en dessous. Donc, grosso modo... Ça me donne 1 nourriture, par contre 0,5% d'empoisonnement. Ça n'a pas l'air très très fou. Ça par exemple, plus 2 de santé. Ça, plus 3 de nourriture, plus 2 d'eau. Voilà. Donc vous voyez, on a un petit peu tout. Et puis si on lit les informations, encore une fois, ils nous disent « Ouais, ok, là ça donne ça, mais tu peux le cuisiner, mais tu peux faire quelque chose avec et tout. » C'est le genre de jeu qui, voilà, je pense que ça va prendre du temps quand même de lire les choses tranquillement et tout. Marguerite, tu peux faire quoi avec ça par exemple? Question bête, hein, mais... Ok, plus 2 de santé. 40% de durée de l'effet, consommation d'eau réduite. Ok, permet de réduire la soif en fait. Donc pendant 40 secondes. Ok. Ok, ok, bah écoutez, pourquoi pas. Je suis allé un peu loin là, non? Je suis allé un peu loin. Alors je sais qu'on peut trouver des ressources comme ça aussi, des fois par terre, on peut trouver des coffres ou ce genre de choses. Donc là en fait on va s'installer par ici, donc ça c'est vraiment le spot indiqué sur la petite map que j'ai, hein, des bons spots. Donc ce serait vers cette zone là, bah écoutez, pourquoi pas. On a de l'eau à côté, donc ça déjà, moi je voulais un point d'eau à côté, donc ça c'est cool, ce que j'aurais fait par moi-même. Mais je serais pas forcément venu à celui-là ou quoi, mais ça a l'air pas mal, ça a l'air assez plat. Ça a l'air de monter un peu là-bas, mais je pense que les bâtiments doivent quand même pouvoir faire avec. Et donc là, on va couper notre premier arbre. Je crois qu'il y en a 5 à couper. Bah écoutez, on va les couper assez vite hein, de toute manière. Hop. Alors sachant qu'une fois que l'arbre est coupé, il faut retaper dessus. Ah, vous voyez, là j'ai eu des bâtons, j'ai eu une plume dessus. Sûrement un nid qui était accroché. Et là, on va récupérer ensuite les rondins. Mais attention, parce que je vais vite être lourd à cause de ça. Les arbres tombent un peu n'importe comment ici. Ils restent accrochés en fait en haut, c'est pour ça. Hop. Voilà. Et vous voyez le poids en bas à gauche. Du coup, je m'alourdis au fur et à mesure que je récupère les ressources. Surtout que là, c'est des ressources qui doivent être quand même assez lourdes. Et du coup, forcément, je vais marcher moins vite, voire même je serai à l'arrêt si je suis vraiment trop lourd. Avec les rondins, ça pèse 20. Je peux porter 35, d'accord. Donc je suis déjà trop lourd, en fait, oui. Oui, d'où le fait que je sois dans le rouge. Et effectivement, je ne peux déjà plus courir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
Donc vous voyez, on peut crafter plein de trucs, hein, des portes, des clôtures, des bâtiments, artisanat, routes. Ok, donc il y a quand même des routes, mobilier et décoration. Et dites-vous que partout, ce sont des menus. C'est-à-dire que là, je clique sur bâtiments. Et ben on va voir les bâtiments d'extraction, les bâtiments de chasse, les bâtiments d'agriculture, les bâtiments... Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Donc c'est super bien. Vous voyez, chasse, hop, on va voir le pavillon de chasse 2, la cabane de pêche. Enfin voilà, c'est juste trop bien en fait. C'est juste beaucoup trop bien. Donc là, moi ce que je veux faire, c'est artisanat. On me demande de faire un maillet en bois. Je vais le faire de suite. Hop. Il s'est pas équipé auto, du coup on va l'équiper, je pense, le maillet. Alors la torche, on va la mettre ici aussi. Puisque une fois que la torche est équipée, on peut... il est où le maillet? Ah mince, attendez. Ah, il est là. Ok, le maillet ici. C'est classé par quoi d'ailleurs? C'est classé par ordre alphabétique, hein? Ouais, c'est par ordre alphabétique. Bah, c'est bien. C'est très bien. Du coup, vous voyez, on peut allumer la torche. Hop. En même temps d'avoir un autre item. Donc, ça, c'est très cool. Si c'est un truc à une main, bien sûr. Il y a un lapin juste là-bas. Est-ce que. Oh! J'ai entendu un autre truc à gauche, c'est pas un lapin pour moi. Alors je me dis, attendez, est-ce que je pourrais pas me faire peut-être une lance? Je vois un truc bouger, mais non, c'est un lapin que je vois bouger aussi. On va se faire quand même quelques outils, même si c'est pas demandé, parce que je pense que ça va être utile dans tous les cas. Je fais plusieurs lances. Ok, voyons voir, il y a quoi d'autre que je peux faire? Le couteau. Qui va très certainement justement servir à dépecer les animaux. Donc si j'arrive à en chasser un petit peu, pourquoi pas. Et la pelle, c'est pourquoi, hein, peut être utilisé pour extraire l'argile des dépôts d'argile. Moi je peux la faire quand même. Je peux faire la houe aussi. Je peux pas faire la pioche parce que j'ai plus de pierre. Ouais, ok. Bon, ça je peux en récupérer et je vais pouvoir la faire, hein. Donc voyons voir. La hache, on est ok. Est-ce que le couteau, j'aurais besoin de l'équiper par contre pour l'utiliser? Peut-être pas. Pareil pour la pelle, je sais pas, mais en tout cas, on va mettre les lances. Ok. Est-ce que je voulais voir justement avec la pelle? Voilà, vous voyez, requis pelle. Avec la pelle, on va pouvoir enlever du coup. Ça, j'avais pas encore testé, mais j'avais cru voir qu'il y avait ça justement. J'avais vu le logo justement déjà. Ça, vous voyez, ça permet d'enlever comme ça. Ça va faire un petit peu plus propre pour construire. Pas plus mal. Donc voyons voir. La lance, on peut taper avec. Ok, je peux laisser appuyer pour full taper. Ouais. Et sinon, on peut viser. Et lancer. Ok, et je peux la récupérer, mais vous voyez qu'elle a perdu la durabilité. J'aimerais bien... Ok, là-bas, il y a un petit animal. Un petit lapin. Je sais pas si je cours plus vite que lui ou pas, en fait. Ah, les débuts de la chasse, les amis. Toujours marrant, les découvertes de jeu, parce que... On fait toujours super attention à ce qu'on fait, tout doucement et tout, alors qu'après, on y va comme des bourrins et on voit que ça passe. Franchement, je sais pas du tout. Ok, ouais, non, la portée... Oh, oh. Ah, lui, il va me charger, je pense, hein. Il est touché, hein. Retouché. Rentre, il me charge. Ok, c'est pas fou. Se battre, tomber ou ignorer les statuts négatifs peut vous faire perdre de la santé. Si vous perdez toute votre santé, vous mourrez. Vous régénérez votre santé en dormant dans votre lit, en mangeant des herbes curatives et en buvant des potions de herboriste pour soigner les blessures. Ok. Mince. Je l'ai tué à la main, quoi. Ok, bah heureusement que j'avais autant de lances et je pense que je vais même pouvoir en refaire, hein. Ok. Et je crois même que les animaux, plus... En fait, si on les blesse, eh bien, ils vont aller plus lentement. Ils vont courir moins vite et tout parce qu'ils sont blessés. Il y a ce genre de délire aussi dans le jeu. Vraiment, le jeu, à ce niveau-là, il est vraiment fou. Ok, c'est très bien. Bon, par contre, on va peut-être éviter de trop en tuer. Parce que, bah, vous avez vu, je suis mid-life. Je suis mid-life, hein, rien que là-dessus. Donc, ouais, non. Ok, c'est bien de l'avoir montré. Oh, t'es stylé, toi. Oh, mon petit pote. Oh. Oh non. Non mais il m'attaque lui. Je savais pas que ça attaquait ça. À chaque coup que je donne en fait ça enlève de la dura aussi, hein.
que je rattrape. C'est parce qu'il y a plein de trucs autour de moi, j'ai trop peur de me faire attaquer. Il y avait un petit pote là. Ok, le blaireau est mort. J'ai plus du tout de lance. Ok, c'est stylé par contre. Hein. Ok, j'ai eu de la fourrure du coup et de la viande. Alors c'est très bien. Je pense que l'autre ne va pas m'attaquer. Je pense qu'il m'a attaqué celui-là uniquement parce que c'est moi qui l'ai agressé. Par contre le sanglier, oui, lui très clairement il m'attaque. Ça c'est logique. Ok. Donc, on va voir si j'ai pas des petits trucs à manger quand même pour la santé, type ça. Hein, ça c'était bien. Voilà, on est repassé à 37 de santé. Il va peut-être falloir que je mange aussi bientôt, donc nourriture haut. Bon, on verra après ça. Par contre, je vais refaire des lances. Hein. Là, très clairement, tant que je peux pas faire d'arc. Enfin, je crois pas que je puisse faire d'arc hein, pour le moment, de toute façon. C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit qu'on ferait un meilleur arc et des meilleures flèches, mais j'ai dit un peu une bêtise, c'est juste faire un arc et des flèches hein, dans le pavillon de chasse. Mais je crois qu'il y en avait qui étaient améliorés par contre dans le pavillon amélioré ou je sais plus trop quoi, c'est pour ça. Il y a différentes qualités quand même hein, malgré tout. C'est vrai que déjà de base on ne peut pas en faire en fait. Par contre ils sont toujours équipés, ça c'est très cool. Et du coup j'étais en train de couper des arbres pour faire la petite base. Donc on va reprendre. Ok, du coup j'ai terminé de couper du bois, d'ailleurs à noter qu'il y a aussi une durabilité sur les outils, hein, ça va de soi, vous la voyez en bas à droite, elle est encore une fois très claire de toute manière. Tout est bien indiqué généralement, je suis un petit peu slow par contre, donc je pourrais balancer quelques rondins peut-être. Ça aussi c'est bien fait, franchement ça va très vite les raccourcis pour justement balancer ce qu'on veut. Peut-être pas trop balancer non plus, parce que j'en avoir besoin je pense pour construire. Et du coup vous voyez ma nouvelle quête c'est de construire une maison, donc est-ce que je suis toujours au spot? J'ai un peu décalé quand même du spot, mince. Ah c'est chiant parce que... Et ouais je vais pas pouvoir avancer là. Ok ok, donc ça c'est chiant. Je vais peut-être devoir essayer de lâcher d'autres choses, par exemple ça. On va essayer de jeter des trucs vers ici. Faudra juste que je me souvienne où ils sont et que j'aille les récupérer. Ok, faudra juste que je dorme. Ok, entre 19h et 7h. Très bien, et ça fera passer la nuit du coup. Et ça restaure une petite quantité de santé. Ok ok, bon je vais essayer de me rapprocher du coup de là-bas. Ouais ça va être compliqué, parce que du coup je me suis un peu trop éloigné pour farmer. Ça c'est à cause de la chasse. Après je pense que c'est bon de commencer ici le village en vrai. Hein. Je vais quand même m'espacer au cas où un peu, mais je pense que c'est bon. Ok du coup je me suis rapproché de l'emplacement indiqué sur la map, comme ça on est à peu près bon. Il y a un petit peu d'espace ici donc c'est ok. On va mettre un bâtiment, petite maison ordinaire, et je pense qu'on va... On va la mettre par ici, hein. C'est la première maison. Et voir où est-ce que je peux la mettre. Ici, ça peut être très bien. Hein. Voilà, c'est le début d'une longue lignée de maisons, logiquement. Et ensuite, de ce qui m'expliquait, on va pouvoir changer les ressources ici. Donc mur en torchis avec fenêtre, éditer, ressources, rondin, bateau. Comment on fait si je fais éditer? Là ça va faire mur avec fenêtre, mur avec porte, mur, c'est tout en fait, ok. Parce que dans le petit tuto qu'ils mettaient, la petite image, ils expliquaient que a priori, on va du coup la faire directement. Ok et du coup ouais j'ai pas récupéré tous les bâtons que j'ai jetés là-bas, je les ai pas retrouvés par contre, donc ça on va les refarmer, c'est pas grave. C'est la seule ressource que j'ai perdue hein, sur la route, mais c'est pas trop grave. Mais du coup ouais, dans le tuto ils expliquaient que logiquement on pouvait éditer pour changer les matériaux qu'on utilisait pour faire la maison. Mais bah là j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ou alors peut-être que c'est quand je choisissais le type de mur que je pouvais changer ça. Bon après ça me va, hein, le laisser tel quel de toute manière. On va le laisser. On va faire toute la maison. Il va sûrement falloir que je refarme hein, de toute manière un petit peu pour la terminer. À moins qu'il m'ait fait farmer tout ce qu'il fallait. Mais non, il va manquer des rondins, il va manquer ici des bâtons. C'est pas énormément non plus, mais il va en manquer un petit peu. Ok, donc va falloir que je recoupe un petit peu de bois et tout ça. En même temps, on va aller boire. Et il faut que je vois si j'ai un truc à manger, parce que là, niveau survie, je commence à ne pas être très bien. Hop. Ok, l'eau déjà, ça va mieux. Et du coup, ici, au niveau de la nourriture, j'ai dit que j'avais des petites choses. Il me semble que j'avais du pain, non? Ouais, j'ai du pain, là. 55 de nourriture. Bah, je pense que c'est fait pour commencer, du coup. On va faire ça. Voilà, allez, bah c'est parti, je refarme ce qu'il faut, je termine la maison. Allez, il doit plus me manquer grand chose. Hop, c'est terminé.
Ça va, franchement, c'est pas trop rapide à faire, mais c'est pas non plus gigalon. Pour l'instant, ça passe. Après, c'est la première maison, donc je me doute que je vais sûrement avoir des surprises plus tard. Mais pour l'instant, c'est ok. La progression est plutôt agréable. Je tape là? Non, je tapais pas dessus en fait. Hein. Ouais, c'est bon. Les bâtons qui s'utilisent. Ok, je vais juste finir les toits du coup. Il va me manquer un rondin. Ok, j'ai pile la paille qu'il fallait, donc ça, il m'avait bien demandé de prendre ce qu'il fallait. Là, il va manquer un rondin et on va pouvoir terminer. Alors d'ailleurs, il parlait des heures pour dormir, mais je sais même pas où est-ce qu'on voit l'heure. Là, ok, c'est la nuit, tout ça, mais quelle heure il est, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout quelle heure il est. Et à noter également que le bouleau donne moins de rondins de bois que l'érable, a priori. Ok, et là du coup... Ah mais attendez, il y a ça à faire aussi? Non, ça va avec. Ah oui, non, c'était bien deux trucs différents en fait. Ok, bon, là logiquement... Ah, j'ai oublié celui d'en face, je crois. Viens me dire. Oui, bah justement, j'ai oublié le truc d'en haut. Il va manquer des petits bâtons. Pas grand chose, hein. Hein. Ok. Et là, les amis, maison terminée? Non? Ah, j'avais pas vu. Ah mais oui, non mais ça c'est le premier truc que j'avais pas fini, c'est vrai. C'est vrai, j'avais dit qu'il manquait un rondin juste pour ici. Et en fait, après j'ai vu que j'avais pas fait cette partie là, j'ai rajouté là. Et au final, ben, le seul rondin que j'ai pas mis, c'est celui que j'avais dit au début. Ah, il y en a pour deux secondes. Allez, ce coup-ci on termine. Voilà. Ah, ça, ça fait plaisir. Ok, donc les chapitres sont une série de missions qui apparaissent au début du jeu et vous présentent les mécanismes du jeu. Ils vous aident également dans les premières étapes de la construction de votre nouvelle colonie. Terminer les chapitres vous permet de débloquer l'étape de développement suivante qui détermine la limite maximale de bâtiments que vous pouvez construire. Ah, alors attendez, parce qu'il y a une petite image hein, quand même qui vous explique, regardez. Chapitre 2, building, ok, 1 sur 5, vous avez vu? Ok, c'est dans le truc management, du coup il y a une limitation à ce niveau-là. D'ailleurs, à ce propos, au niveau des quêtes, faut savoir que, regardez, on a des quêtes annexes également à aller chercher. Bah, d'ailleurs, nouvelle quête, et ça, c'est l'objectif de la quête. Donc, généralement, celle-là, je crois que c'est les quêtes principales, et celle-là, c'est les quêtes secondaires qu'on peut aller récupérer. Donc, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Donc, voyons voir juste l'intérieur de notre maison, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Du coup, là, je peux dormir, donc ça, c'est cool. On a un petit peu de stockage. Je vais peut-être dormir hein, dans un premier temps. Je pense que je vais dormir. Bah, le lit double, hein, il va être plus confort. Hop, dormir lendemain. Dormir prochaine saison. Ah ouais non, on va peut-être peut-être juste dormir jusqu'à demain, hein, ça ira. Ça suffira pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On peut fabriquer, on peut allumer le feu. Mais voir. Oh stylé. Fabriquer. Porridge, autre, soupe, mais c'est incroyable ce jeu. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Voyons voir. Ok, et là pour transférer, est-ce qu'on peut transférer de manière rapide? Ok, les baies autant que je les balance en fait. Hein. Je sais pas si on peut... Enfin, si les choses peuvent despawn au bout d'un moment ou pas. N'hésitez pas à répondre d'ailleurs à mes questions dans les commentaires. Quand vous entendez que je m'interroge un petit peu comme ça. Je sais que vous le faites machinalement, mais n'hésitez pas. Généralement, je viens chercher justement les réponses dans les commentaires dans un premier temps. Mais ouais, non, déjà, est-ce qu'on peut jeter des objets? Est-ce qu'ils despawn? Et pareil, au niveau de l'heure, si vous savez où est-ce qu'on voit l'heure exacte dans le jeu. J'ai pas vu où c'était personnellement. J'ai dû le manquer, hein. Je pense qu'on la voit quelque part. Mais ouais. Donc, je peux ranger des choses, potentiellement. Donc là, les outils, on va peut-être les garder. Remarque, la pelle, je suis pas forcément obligé. Bon, les lances, on va clairement les garder. J'avoue que la pelle, le maillet en bois, bon, ça pèse pas énormément non plus, mais autant que je les transfère directement. On peut mettre quand même des choses, j'ai l'impression, à côté. Donc voilà, pourquoi pas. La pelle, pareil, hein, je pense que je vais m'en servir que vers chez moi. La fourrure, je sais pas pourquoi je vais m'en servir au début, donc autant la ranger. Ou alors je la revends, parce que mine de rien, tout ça, ça a également un coût. Donc je peux revendre pour essayer de me faire un petit peu d'argent et pour aller racheter des choses intéressantes. Parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir acheter, des choses qu'on va crafter. Enfin, même des choses craftables, hein, du coup, on va pouvoir les acheter, je pense, pour aller plus vite ou quoi, selon ce que c'est. Donc voilà, ça peut être, sympa, mais je vais pouvoir faire de la viande aussi, non, bientôt. Alors peut-être qu'il y a une quête qui va me dire de le faire, parce que là je vois qu'il y a des quêtes pour des pièges. On va me demander de faire un piège à lapin. Chasser un animal sauvage, je suis un petit peu déçu parce que je l'ai déjà fait.
Et du coup, c'est dommage qu'il ne valide pas la quête, étant donné que je l'ai déjà fait avant. Ça, c'est un peu dommage. Et survivre, du coup, pendant une saison. Il faut quand même que je retourne parler à Dobroniega. Ok, c'est la femme, du coup, de la personne à qui on a parlé tout à l'heure, en début d'aventure. Mais ouais, on va s'arrêter là-dessus, du coup, pour cet épisode découverte. On va regarder quand même la maison, à quoi elle ressemble, un point de vue extérieur. Franchement, c'est stylé. Au niveau, donc, des... Hop, hop, hop. De la gestion, qu'est-ce que ça m'a changé ? Habitation, qu'est-ce que je peux faire, là ? Petite maison ordinaire. Ok. Rassimir, du coup, c'est moi, Rassimir, logiquement. Ok. Et je peux assigner d'autres habitants. Donc là, il comprend que c'est moi qui habite ici, déjà de base. Ok. Et est-ce que ça peut pas me le noter, par contre, sur la base ? Enfin, l'emplacement de la base ? Parce que là, je vois un marqueur. Ah si, c'est ce marqueur-là qui m'affiche où c'est, d'accord. Parce que comme j'ai aussi un marqueur, j'étais pas sûr. D'accord, d'accord. Bah écoutez, pour l'instant, ça prend forme petit à petit. On a un bâtiment sur 5, et puis il n'y a pas grand-chose qui a dû changer. Stade de développement, ermitage, bah ouais, forcément, on est vraiment au tout début. On a 20 de réputation quand même dynastique. Et puis voilà, pas d'ouvriers ni rien, pas de taxes, pas de dettes, ok. Tout va bien pour le moment les amis, on va s'arrêter du coup là-dessus pour ce premier épisode potentiellement, hein, si on continue du coup l'aventure. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas de me dire si jamais du coup ça vous intéresse d'en voir plus ou non dans les commentaires. Et puis bah, je vous dis dans tous les cas à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos.